Il a tout faux, Nicolas. C'est moi qui t'ai fait peur et certainement pas l'inverse. Oh, ça doit être une des rivières souterraines dont Martin a parlé. Oh, 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 ah oh, non, au secours. Quelle horreur. Marie a dû être transformée en chauve-souris. Arrête de crier, Nicolas Prime. Il a dû lui arriver quelque chose. Appelle tout de suite Sam le pompier. Marie-Caro est coincée au fond de la caverne. On va devoir retourner dans la montagne. Allons-y avec Hydre. On a entendu Marie crier. Rassurez-vous, on connaît bien cette caverne. Oh. Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Oh. Pas de panique, Marie. Je descends te chercher. Comment tu vas t'y prendre? Je ne vais pas pouvoir la remonter, c'est pas assez large pour deux personnes. On va devoir trouver un autre passage. Oh oh, salaud, mais d'où viennent ces voix? Mieux vaut avoir deux experts qu'un seul. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la draisine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La résine est comme neuve, et c'est grâce à ces deux experts. On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le bon.